Il y a plus longtemps, dans la nostra tour del Tarn, un petit village prospérava, Naupul. Et dans aquest lieu qu'a cantonné des chiots que le plus célèbre Francisco de Goya s'est retiré pour se consacrer à son art. Quelques chiots gaus s'aventura dans le village en aquest jour d'annat, est condamné à pas jamais tourner. Le lieu est d'arène là, maudit. Je m'appelle Baba Yaga. Je vis seule, malgré les nombreux amants que j'ai eus. Il paraît que je fais peur aux hommes. Ils n'aiment pas que je me débrouille seule. L'esprit de la nature m'accompagne. À l'époque, ça les dérangeait que ma beauté les ensorcelle. Néanmoins, je ne suis pas totalement seule, puisque j'ai de nombreux amis. Nous organisons de temps en temps des réunions. Le tsar, il ne nous aime pas. Les légendes disent que je dévore les enfants. Heureusement, je n'en ai jamais voulu. J'aide les villageois à se soigner. Je suis la seule à avoir ce savoir. Je crois que cela les effraie. On m'accuse de temps en temps d'être responsable des malheurs des autres. Ou des miens. Ils disent même que j'ai signé un pacte avec le diable. Pour l'instant, le seul pacte que j'ai fait, c'est celui avec les livres. Cela les affole que je connaisse des choses qu'ils ignorent. Lorsque je les contredis, ils m'appellent l'hystérique. Ils ont l'impression que je hurle lorsque je frappe du poing sur ma table, que j'affirme, que j'accuse.
Les enfants me demandent pourquoi la mer est salée. Je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Liberté, égalité, salope, droit, cochonne, sexisme, sorcière. Si j'étais un homme, égalité. Si on inversait les rôles, je soulèverais ta robe, garderais-tu le contrôle? Déchets. Il ne restera rien de ces volcans qui vomissent. Peut-être plus un brin de pollen et plus un gramme de sel. Pollution. Adieu tous ces grands PDG, ils font leur beurre sur des salariés désespérés. T'as beau faire des milliers de selfies, tu peux pas te voir. Montre-nous tes jambes, t'auras plus de 100 notifications. Adieu tous ces grands PDG, faire des milliers de selfies, ils font leur beurre sur des salariés désespérés. Tu sens ton cœur battre, Rome, garderais-tu le contrôle? Si j'étais un homme, des milliers si on échangeait de peau, tu peux me rester plus salope, rien de ces bouches qui ne le dos. Rien de ces horrifiants modifications virtuelles ne suscite que des suicides. Thank you.
Ben, je revenais de mes courses et ma femme de ménage était chez moi. Et je dis à la personne, j'ai écouté, je vous ouvre pas, je ne vous vois pas. Et donc, il ressonne et là, il me dit... Ah non, mais vous allez pas me voir, hein. J'ai un gros colis à vous remettre. Donc, je suis descendue sans arrière-pensée. Et là, sur une fraction de seconde, ma vie a basculé. La porte d'entrée était pourvue d'une porte vitrée. Et là, j'ai reconnu le porte-clé de mon agresseur. Et là, tout va très vite. Tout va très vite. Donc, il y a un jet qui m'est jeté au visage. Je suis tombée par terre. Il est revenu vers moi et il m'a donné des coups de pied, il m'a bousculée dans tous les sens. À cet moment, je crois qu'il part et moi, je rampe jusqu'à l'ascenseur. Et j'avais donc mon bras droit, je le voyais, je l'ai vu fondre. Hein. Et j'ai fait demi-tour en rampant. Il était encore là. Et c'est là où il achève son geste. Il a attrapé mes cheveux, il les a tournés autour de son poignet, il m'a fait lever la tête et là, il a reversé le deuxième jet. Il disparaît. Il disparaît parce que moi, dans ma tête, je suis déjà morte. Hein. Mais j'ai une force incroyable. J'ai rampé jusqu'à l'extérieur, sur mes coudes, que je voyais fondre. Enfin, tout mon visage était... C'était le summum, quoi. Je serai plus jamais comme avant, parce que j'aurai toujours un visage meurtri. Mais il y a toujours, de toute façon, des choses qu'il m'a pris, que je n'aurai plus jamais. Je n'aurai plus deux vraies oreilles. Je n'aurai plus la vue. J'irai jusqu'au bout. Je serai pas la Marianne, mais la Patricia. Oui, ça je me le suis juré. Je veux ma trace sur cette terre.